un grave problème pour notre copropriété, hein, je vous rappelle. Notre troll gardien du donjon est mort sous le caca de son dringon. On n'a plus personne pour distribuer le courrier, plus personne pour aller faire le ménage. Moi, je vous le dis, hein. Je vais pas aller nettoyer le tag qui a été fait à l'entrée du donjon, ni que la magie, hein. Non, non. Et puis, je vous rappelle que c'est mon père qui a vu que c'était l'un d'entre vous qui avait fait ce tag aujourd'hui à 13h. Oui, bon, bah ça va, on a compris à un moment. C'est chiant, quoi. Sauf que nous, on est les représentants du syndic et qu'on a aucune raison de faire un truc pareil. Oui. Il valide. Donc, voilà, c'est tout, on va pas. Et vous avez des preuves pour ça? Un alibi? Attendez, dites-moi pas que vous êtes en train de caresser votre barbe, là. Si. Bien sûr qu'on a tous un alibi. Et donc? C'est quoi votre alibi? Moi, je travaillais. C'est vague comme alibi. Hein. Ça va, ta gueule, toi! Oh là oh. Ça sert à rien, hein, la colère ou l'agressivité. C'est bon, il dit juste ça parce que c'est pas hyper clair et que voilà, le doute subsiste sur ce que vous étiez en train de faire. Voilà. Bon. Bah moi, je suis dans le spectacle. Allez, allez, on mise, on joue, on gagne. C'est pas plus compliqué que ça, il faut trouver la reine. C'est moi la reine. C'est vous la reine. C'est vrai que madame a de sacrés atouts. On mise, hein. Allez, madame. Alors, 20 boules. Ah, bah super, damoiseau, approchez-vous. On mise, on joue, on gagne à tous les coups, je vous assure. Y a pas de trucage, allez, allez. Mais police, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit, police, reviens. Donc vous voyez, c'est pas moi. Et toi, c'est quoi ton alibi? Bah moi, mon alibi, c'était le prisonnier. On était ensemble. Hein, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah ouais, mais d'accord, mais vous faisiez quoi? On se promenait au bord du lac et on jetait des baguettes aux canards. Du pain? Ah bah non, des baguettes, comme ça les canards, ils ont plus à manger. C'était une belle journée, il y avait des nudistes. Bon bah vous voyez, c'est pas nous! Voilà, je suis désolée, vous arrivez avec votre quête. Bah, c'est pas nous, hein. On va pas dire que c'est nous quand c'est pas nous. Et vous? Comment ça, moi? Vous, votre alibi à vous, c'est quoi? Je vous l'ai dit, mon alibi. Non. Bah, si. Je vous ai dit mon alibi. Là-dessus, vous tous, vous m'avez dit « Ah bah ok, c'est parce que du coup, t'as rien à voir là-dedans. C'est vrai qu'Erwin a l'air hyper plus suspicieux, etc. » Non, je me souviens pas. Moi, personnellement, je m'en rappelle pas. Bah, moi, après, je veux bien répéter, hein, mais bon, ça vous fait passer pour des garçons pas très attentifs quand même. Non, mais tant pis. Du coup... Bah, je répète, voilà, j'ai aucun problème à répéter. J'étais en thalasso. Ah. En thalasso? T'étais en thalasso avant de venir ce matin? Oui, parce que, figurez-vous, ça m'arrive de temps en temps ça en ce moment. Parfois, je me réveille et puis il est hyper tôt. Alors, vu que j'étais un peu patraque, je me suis dit une thalasso. Et voilà, je suis allée en thalasso, du coup, bah, dans le Cantal. C'est comme ça. Ça va? Quoi, après tout? À qui la faute? C'est bon, à un moment, j'ai... C'est bon, j'ai compris. Ok, d'accord. Je vais dire que c'est un mensonge, ça va pas faire avancer le débat, mais je vais le dire. Vous venez de dire que c'était un mensonge? Non, c'est mignon parce que vous entendez pas bien. J'ai dit que j'étais en thalasso, ce qui est pas vrai, dans le Cantal, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Jeanne, c'est vous qui avez tagué Nick la magie dans l'entrée? Non, Erwin, ah là là, lui, il croit que c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. S'il y a une personne de responsable, qui sait? Pac, hop là, c'est Bibi, c'est moi, c'est pour moi. Mais en même temps, je dis que c'est pas non plus totalement moi, parce que là-haut, bah, c'est quoi? Oui, bah, à un moment donné, faut dire les choses, ça va, le tu ne mentira pas, ça s'applique pas qu'à moi, hein, pardon, mais... Donc je vais vous expliquer, oui, si, parce qu'à un moment donné, quand on a des cojones, on les pose sur la table et on dit, voilà, c'est moi le bonhomme. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé, tout bonnement, ne faites pas le malin non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Parce que je vous le dis, hein, tout net, hein, Dieu, il peut pas vous blairer. Bon, bah c'est comme ça, en même temps, excusez-le, mais vous le faites passer pour un con. Lui, il a fait la planète Terre. Lui, il a fait les humains. Derrière ça, il fait les animaux. C'est quand même pas rien, parce qu'il y en a une tripotée. Hein. La nature, pareil. Il y a quand même 2-3 variétés de plantes, si vous avez un peu ouvert vos yeux. Donc là aussi, il a pas fait un boulot de CP, le type. Derrière ça, il fait tout, sauf que qui débarque? Allez, Céline Dion, quoi. Hop, chapeau, robe, et c'est parti comme ça, et je te fais chaud, hop, une colombe, ça tord des clés au truc des voisins, c'est bon. Et alors là, la foule...
les magiciens, alors que vous faites de la merde. Faut qu'on se le dise. Si, c'est à chier, donc je suis désolée, Erwin. Je le dis pour lui, je le dis pour moi, je le dis pour nous deux. Nique la magie, et je t'encule, Sylvain Mirouf, voilà. Je te fiste. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça sort. Souffle. Allez. Bah, c'est un lapin. C'est un lapin. J'avais dit c'est un lapin, j'avais voilà. Dit. Voilà. Waouh. Ah, on se sent mieux, putain. Je suis désolée. Vraiment, je vous présente sincèrement mes excuses. Non, pas vraiment. Quelque part, je m'en fous, mais je m'excuse quand même. Je m'excuse, je prends mes responsabilités, je vais nettoyer ça. Et puis, on n'en parle plus. Voilà. Et puis surtout, vous êtes un chic type, Erwin. D'accord? Voilà. Hop là, clac, pardon. Oh. Putain, je suis désolée, c'est arrivé. En plus, le coup du lapin, c'est un tour de magie. Ba 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 ba.